De retour les 100. Oh là, comment ça fait longtemps, on s'est pas vu, vous m'avez trop manqué. Bon, aujourd'hui, vidéo très spéciale. Déjà parce que je suis tout seul. Je suis seul au monde. Dans cette vidéo, on va parler de la rupture. Les amis, entre nous, on va pas commencer à se mytho, on a tous connu une rupture. Et il y a des ruptures qui se finissent plutôt bien, la vérité. Même trop bien. Eh, dis-moi mon cœur. Oui. Ça fait déjà un an qu'on est ensemble. Un an? Mais ça fait longtemps de fou. Ah, mais de malade. Ça dit bon, on se sépare. Ah si, en plus ma mère t'acceptera jamais dans notre famille. Oh mais comment, moi aussi j'aime pas ta mère. Quoi? Ta mère, je peux pas me la saquer. On reste amis? Alors là, jamais, connard. Oh sale. Pute. Mais dans la plupart des cas, ça se finit plutôt mal. Très mal même. Bébé, je suis rentré. Oui. Bon, écoute-moi, je vais aller droit au but et je vais pas passer par quatre chemins. Entre toi et moi, c'est fini. C'est terminé. Ah oui? Il y a plus de nous deux. Oui, c'est terminé. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est terminé. Dis-moi. Je peux pas rester avec une fille qui a constamment ses règles. C'est pas possible. Ça pue. Ça pue. Tu pues. Ah oui? Moi, je peux pas. Je veux une fille qui n'a pas ses ragnagnas. Et je sais que ça existe. Et en plus de ça, tu pètes, tu dors, oui, tu ronfles. On dirait Shrek. Moi, j'ai pas envie d'être avec Shrek. Je n'étais qu'une femme. Donc voilà, j'espère que tu comprends. Et voilà, et j'espère que tu m'en veux pas. Bébé? Mais le plus dur, c'est pas de larguer quelqu'un, c'est de se faire larguer. Oh, ça pique. Oh, ça fait trop du mal. Ah, la vérité, t'as envie de te cacher dans un trou. C'est trop la honte. Surtout chez nous, les Arabes, on aime pas se faire larguer, on a une fierté de fou. La fierté chez nous, c'est un sport national. On peut pas se faire larguer, on est des bonhommes, putain. On n'assume pas et on n'assumera jamais. Je connais aucun bonhomme qui assume de se faire larguer. Non, je connais pas. Wesh frère, Neymar, 222 millions d'euros. Ouais, mais il est beau frère, voilà, t'as vu comment il joue gros. Ouais, mais beau, c'est trop, c'est cheaté frère. Il est en train de s'être emballé comme ça. Attends, c'est ma meuf, elle m'appelle, c'est pas normal à cette heure-ci. Allô? Attends. Redis-moi ce que tu m'as dit. Toi et moi, c'est fini, je te quitte. Attends, donc toi, tu me quittes? Oui, je te quitte. Écoute, la vérité, m'en bat les couilles. Mais arrête de faire le gamin. Oui, je suis un gamin. Oui, t'es un gamin. Oui, je suis un gamin. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Eh ben, tu sais quoi, m'en bats les couilles. Ça y est, c'est terminé. Stop, toi et moi, c'est fini si tu veux. Allez. Ciao. Allez, ciao. Allez, ne va niquer ta race. Voilà, c'est l'homme. Bah ouais, mon gars, c'est quoi? C'est ça, les hommes ou quoi, les gars? Elle m'appelle, elle est là, elle me dit, ouais, c'est fini, mais. Ah non, mon Yakoyoum. Toi, on m'a dit, t'avais des bombailles sur ton téléphone. Ah, lui, on m'a dit, il avait des bombailles. Faire croquer tout le monde maintenant, bro. Comme on dit, 10 de perdu, 23 de retrouvé. Franchement, c'est un bonhomme. Ah là, c'est un vrai bonhomme. C'est maintenant, je vais lui présenter Vla Lego maintenant, bah c'est ouais, sûr, c'est frère. Comme ça, hein. Il a bien géré. Il va aller chasser comme il faut. Et en fait, il est où? Je sais pas du tout. Je vais dire, ouais, gros. Oh, t'es moi, gros. Il est en train de pleurer. Qu'est-ce que tu me fais? Relève-toi, mais qu'est-ce que tu fais, vous? En fait, t'es une fiotte, en fait. C'est comme le roman, en fait. La vie de ma mère, de ta pute. Le mec, il est en train de pleurer, gros. Tu nous parles de cité, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu nous fais? Non, toujours la cité, frère. Voilà, nique la police. Ah ouais, story snapshot direct. Direct, j'ai un snap, gros. Story direct. Après la rupture, il y a plusieurs scénarios possibles. T'as le mec calme, il est là. Oh, tu tournes là? Mais frère, t'es sérieux là ou quoi? Frère, il y a moyen d'appareil, putain. Pour Dossard, je suis en train de tourner, t'es sérieux là? Ouais, petit rôle. Quel petit rôle? Vas-y, ouais, dégage, frère, dégage. Non, mais dégage, la vérité, dégage. Non, mais dégage, frère, va voir là-bas si j'y suis. T'es sérieux là? On va parler, frère, après. Voilà, t'es sérieux? Donc, je disais. Après la rupture, t'as plusieurs scénarios possibles. T'as le gars calme et tout, beau gosse, contrôleur hanté, gère le truc, qui passe totalement autre chose. Mais quand je dis totalement autre chose, il passe vraiment totalement autre chose. J'ai vu les photos avec elle. Mais quelle photo avec elle? Il n'y avait aucune photo. J'ai tout vu. Mais qu'est-ce que t'as vu? Mais j'ai tout vu. Mais wallah, il n'y avait rien. Vas-y, dégage, c'est fini. Bah ouais, c'est fini, vas-y, dégage. Vas-y, oh, folle. Eh hey gros, tu t'en bats les couilles de la meuf, en plus c'est même pas une fille sérieuse. Eh hey, vas-y, voilà, t'as raison frère. C'est même pas mon style en plus. Ah non, grave pas ton style gros. C'est même pas mon style, c'est quoi mon style? Laisse-moi deviner. Vas-y. Les phénomènes. Kim Ka, c'est un exemple type frère. C'est la base. Voilà, taillé en bouteille d'orangina. Mais oui, c'est ça, toute ma vie, j'ai bu de l'orangina. Eh, hey, va pas plus loin, j'ai un vrai bail pour toi. Vas-y, dis-moi. Vas-y frère. Regarde-moi ça. Vas-y, assure, mets-moi bien. Avec ça, tu navigues, tu trouves le sosie de la star que tu veux. T'es pas sérieux, gros. Ce que tu veux, j'ai cherché Jennifer Lopez, j'ai trouvé son sosie, gros. T'es pas sérieux. Et genre, tu choisis et tout. Comme si c'était un et catalogue. Et ça marche bien. C'est un catalogue. Non. Je tape Kim Ka et je trouve Kim Ka. Tu trouves? Arrête. T'es en train de me dire que si je tape Kim Kardashian,
Eh ben, je trouve le sosie de Kim Kardashian. Là, sur un plateau. Oh, putain, c'est de la base, cette application. Ah ouais, Badou, c'est le feu. C'est magnifique, gros. C'est lourd. T'assure. Merci, très bon. Toi, t'es un bon. Toi, t'es un bon. Pas. Bon, c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai des bails à faire. Va faire ce que t'as. Nous sommes réunis en ce jour pour fêter le magnifique union entre deux êtres magnifiques en la personne de Hassan. Attends, tu appelles là Kim Kardashian. Kim Ka. C'est mon mariage, c'est moi qui paye, je te paye. Écoute, je te paye, je te paye. Donc fais ce que je te dis, Kim Kardashian. Donc voilà, entre Hassan et Kim Kardashian. Ça, mon gars, je vais respecter. Hassan, voulez-vous prendre pour époux mademoiselle Kardashian? De l'aimer, la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'adversité, et ce, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je lui jure pas fidélité, mais genre, de la nourrir, de la chérir, de lui faire l'amour, oui. Si quelqu'un veut s'opposer à cette union... Frère, y'a personne qui veut s'opposer... Non mais arrête, je te paye pourquoi, personne s'oppose, tu t'opposes frère, s'oppose pas, et toi la moche, là, tu t'opposes pas. Green Lang, je fais mon mariage, et lui aussi s'oppose pas, donc voilà frère, vas-y, termine. Si, moi je m'oppose. Non mais... Toi je t'ai dit quoi? Toi c'est fini! Non mais c'est fini! T'as là on a dit quoi? On a dit que c'était fini, donc viens pas à mon mariage comme ça! Monsieur le vigile! On n'a pas de vigile, mais sors, c'est fini! Voilà! Mais par contre, quand c'est toi qui veux casser, quand c'est toi l'homme de cassage, ah faut trouver les excuses. Moi heureusement je m'entends pas parce que je peux m'auto-disqueter. Donc vas-y, je t'écoute. Et la vérité, je te vois plus comme ma petite sœur que ma petite amie, t'imagines? Mm-hmm. J'ai l'impression de coucher avec ma petite sœur. Oh, astaghfirullah, c'est dégueulasse. Regarde, il y a ma petite sœur, il y a Ali, il y a Mohamhem. Oh. Avec toi, je ne peux pas. Je te vois comme ma petite sœur, je ne peux pas. Arrête de tourner autour du pot. Franchement, je comprends rien là à ce que tu racontes. Oui? Non, je te disais, écoute, je te vois plus comme ma petite sœur. Tu vois, ma petite sœur, elle est là, elle est violée. Tu vois, à cause de toi, je pense à quoi, là? Écoute, je ne peux pas, c'est tout. Tu comprends? Après, cette solution, si ça marche, tant mieux, hein. Mais les gars, un conseil, la vérité, ne larguez jamais une meuf de cité, une voyelle au féminin. Ah, la vérité, j'ai fait la tête de ma mère, j'ai fait l'erreur de larguer une meuf du 9-3. Patate dans mes chicots, je suis tombé KO devant tout le monde. Donc c'est un conseil. Bébé, écoute, je sais pas comment te le dire, mais... Eh, c'est fini, hein, moi aussi je suis de la rue, laisse tomber, toi et moi, c'est fini, voilà, je te le dis, c'est fini. Tu vas faire quoi? Attends. Si j'entends bien, toi, petit PD de comique, tu veux me quitter? Écoute, je suis une bicraveuse, je suis de la vraie tête, c'est pas toi le petit PD, petit trou du cul, tu vas m'apprendre. Donc maintenant, tu vas rester avec moi, on reste en couple, c'est moi qui décide, t'as compris? Oui, Pablo Escobar, oui. On reste ensemble. Donc maintenant, écoute-moi bien, tu viens me ken et tu mets bien. T'as intérêt à me mettre bien, frère. Allez, vas-y, bien, frère. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous êtes plus d'un million sur ma chaîne YouTube. Franchement, ça fait hyper plaisir, les 100. Je pensais pas en arriver là, voilà. Et franchement, ça me fait hyper plaisir. Vous êtes nombreux à me demander si un rubis le français, ça continue. Oui, bonne nouvelle, ça continue, mais avec une nouvelle personne. Si vous voulez plus de vidéos, les amis, mettez un maximum de pouces bleus, la vérité, je vous balance les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, il y a mon Snapchat, mon Instagram, c'est bon? Allez, tu sais ça.